Et on continue notre aventure de héliporteur dans notre nouvelle zone. Donc cool, on est full vie. On est full vie, je pensais pas qu'on allait être full vie honnêtement. Bah tant mieux. Donc 40 kilos, très bien. On a de l'eau, enfin faudra peut-être en faire. On a beaucoup de viande. On va pas, comme j'avais dit quoi la dernière fois, je crois qu'on allait faire le tour de la zone. Nous on est là. Nous on est là, on a tué un ours ici. On a pris quasiment toute la viande, je crois qu'il doit rester 1 ou 2 kilos, un truc comme ça. On a récupéré la peau, on a récupéré les 10 boyaux, donc ça c'est très bien. Quoi d'autre? Il n'y a que de l'eau en fait à faire, honnêtement. On va pas le faire maintenant, c'est pas grave, hein, ça peut attendre. Mais ouais. Il y avait un établi ici ou pas? Non, il n'y a pas d'établi. Du coup, on va aller où? Est-ce qu'on continue la zone où on avait vu l'ours? J'ai entendu un bruit. Non? 3. Ah, attendez, il fait froid. Ouais, il fait un peu froid. On va re-rentrer. Donc, on va manger. Je pense que vu qu'on a passé genre une ou deux journées, à peu près. Enfin, on a passé une vingtaine d'heures. Je pense. Je pense honnêtement que on va sûrement se retaper une vague de loups, ce qui est un peu emmerdant. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On repart dans l'endroit de l'ours ou on repart sur notre gauche? Sur notre gauche, ça avait pas l'air vraiment praticable en fait, quand on avait vu ça pendant la nuit. Je pense qu'on va aller vers l'ours. Genre là-bas, ça... Ah, peut-être... Oui, non, si, on peut passer par là. Par contre, ouais, moins 14, c'est un peu relou. À part qu'on récupère du bois et tout. On va un peu courir. On a 3 morceaux de viande, donc on pue la barbaque. Donc ils vont sûrement nous sentir de loin, les loups, ça c'est un peu embêtant. Mais on va se débrouiller. Je voudrais bien qu'on se fasse pas aggro parce que honnêtement, on a 17 flèches, on a quoi? On a 5 de réserve, de fût de réserve et on a trouvé un seul bois. Donc ça fait 3. Donc voilà, on a à peu près 8 fûts. Ouais, donc là c'est le ravin où il y avait l'ours, hein, je crois bien. Vu la position. Ah là-bas il y a un. J'ai cru voir un. Un arbre. Non, je pense pas qu'on puisse passer par là. Je pense qu'on puisse passer peut-être par là. Ok, petit chemin. Ça monte. C'est clairement un chemin ça. On dirait qu'il y a un chemin là. Marrant. Ok, c'est quoi ça? Je sais qu'on a froid, mais... Attendez, là on est bien. Mais je veux dessiner. Ah, très bien. On a des corps. On n'a pas de bois. Ah, ok, c'est le cadavre de l'ours, ça va. Ok, on va essayer de... Ouais, essayer de pas tomber déjà, c'est déjà une bonne idée. Et on va essayer de se réchauffer quelque part. Des lapins! Yes, grotte. Dis-moi qu'il fait chaud. Oh mon dieu, je vois strictement rien. Oh, il y a du bois.
Yes, il fait chaud, parfait. On a un lit aussi, fais voir. Plus 2 degrés, on a 19 à l'intérieur, c'est très bien. Ok, très bien. Si jamais, vous savez, la dernière fois, je crois que j'ai parlé du fait que... Il parlait de, genre, de mettre à jour les graphiques et tout ça, les graphismes. C'est vrai que le jeu a déjà pas mal de temps. Et vu qu'il travaille encore dessus, pourquoi pas. Le truc qui serait bien, c'est retravailler la luminosité. Honnêtement. Ça serait vraiment de retravailler la luminosité du jeu. Parce qu'elle est... J'ai pas envie d'y racher, mais je le dis vite fait quand même. Hein. Elle est un peu chiante. Enfin, surtout si on veut faire des vidéos dessus, honnêtement. Enfin, pour moi, ça va, c'est cool, mais pour vous... C'est un peu le problème. Alors, où on dort, où on raccommode un truc, vite fait. On va devoir récupérer des lapins, parce que c'est vrai qu'on s'est fait un peu toucher un peu trop de fois. On s'est fait bump. On s'est fait bump un peu trop de fois par les... les loups. Attendez, on va peut-être pas sortir l'arc. Ah, il fait moins froid. À peine moins 8. On a des massettes. Ah mon dieu. Mon dieu. Merde, à chaque fois, faut penser à enlever la pierre. Penser à enlever la pierre. Ouais, faut penser à enlever la pierre, parce que sinon... On va re-rentrer. Ouh, il fait vraiment pas froid, en fait. On n'avait qu'une seule flèche. On va faire ça. On va laisser la peau là. Je crois qu'elle sèche là. Je sais plus. Je sais plus si c'est considéré comme un intérieur ou pas. Je crois. Hein. On va laisser le lapin par contre. Ouais, c'est bon. Ok, c'est sage. Très bien. C'est bon. Yes. 8. On entend encore les corbeaux de l'ours. Parce que moi je préfère chasser à l'arc, hein, mais bon, vu qu'on a des pierres à côté, autant en profiter. Lève-toi. Ok, très bien. Est-ce qu'on peut dessiner ici? Ouais. Comme ça, on note la grotte. Ah, très bien. J'aime bien parce qu'on a vu ce côté-là. Les lapins, ils sont là, non? Oui, parce que là, on vient de passer. Les lapins, ils sont là, je crois. C'est pas grave. Ah, très bien. Non. Alors, hop. Recycler. La peau, c'est le plus important. La peau, c'est surtout pour nos vêtements, évidemment. Donc, on va faire ça. Je crois qu'on va peut-être faire une pause dans le dans cette grotte-là. Ça dépend, en fait, si on trouve quelque chose. Voilà, très bien. Ça dépend, en fait, si on trouve quelque chose, si on a vraiment besoin d'eau. Parce que le problème avec cette viande-là, c'est que ça baisse vraiment notre eau. Bon, c'est pas 3 flèches vers le bas, mais bon, c'est quand même 2. Chaque fois, on a soif très vite. Ok, let's go. Il va faire bientôt nuit, donc on peut se permettre de sprinter comme un fou. On a des massettes, on va pas les prendre. On a des petits bois. J'ai toujours les bois sur moi, donc on a trouvé. Okay, très bien. Il y a le wipe de la remise à zéro, en gros, de Escape from Tarkov qui vient de sortir. Donc je suis très très tenté à vouloir y jouer. Mais j'avoue que c'est quand même assez stressant. Donc je préfère jouer à mon The Long Dark qui est... mon Tarkov à moi. Mon Escape from Tarkov à moi.
très bien. Mais ouais, ce genre de jeu un peu unique à chaque fois, un peu hardcore, j'aime beaucoup. Hein. Donc Dark est pareil, hein. C'est assez unique, assez hardcore. Ah, je sais où on est. Je sais, on vient de faire le tour en fait. Ok, donc la zone est un peu plus petite que ce que je pensais. On est normalement là, il y a la maison. Voilà, exactement, c'est ça. Donc on a fait le tour, donc on peut descendre par là pour partir. Ça nous fera plus court en fait. On fait comme ça, on part comme ça et après on fait ligne droite là. Donc il faudrait voir si là, il y a quelque chose, genre là par exemple. S'il y a vraiment quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait du coup? On prend les massettes ou pas? Je dirais pourquoi pas. On n'a pas vraiment froid. Il faudra un peu plus de bois. C'est bête, il n'y avait que deux lapins. Un peu bête. On est à 44. Allez, monte. Je peux pas monter? Pourtant, ça avait... Je vais être honnête, ça avait vraiment l'air d'une montée. Un peu déçu. Ah ah! T'inquiète, je trouve toujours un chemin. Très bien. On va redessiner juste pour être sûr, parce qu'on est très haut, mais honnêtement, ouais, on va pas couvrir plus que ça. Ok, on a du brouillard, on va aller se mettre à l'abri. Pas trop envie de me déplacer. De toute façon, on peut plus dessiner. Donc du coup, j'ai pas trop envie de me déplacer avec le brouillard. On va... là. Jesus, it's cold. Très bien. Après, faut que je regarde la map. Genre, est-ce qu'on est vraiment loin? Ah ouais, mais non, il faut reprendre des ponts et tout. Est-ce qu'on tente dans le brouillard? Honnêtement, je dirais non. J'ai vraiment pas envie de tenter l'exploration dans le brouillard. Parce que pour l'instant il fait pas froid, mais bon, si à un moment il commence à faire froid, on va être dans la merde. Pas d'autres bois. Voilà, très bien. Recycler. Non, le boyau d'abord, comme ça on le met par terre. S'il y a le brouillard qui se lève, on peut repartir, je dirais. À la limite. Parce qu'on n'est pas vraiment fatigué en fait. Mais j'ai l'impression qu'on va être bloqué ici en fait. Ouais. Alors, avec ce qu'on a, on pourrait faire un feu. Ah oui, on a ça aussi. Avec ce qu'on a, on pourrait faire un feu. Est-ce que on a vraiment besoin de faire un feu? Ouais, pourquoi pas. Par contre, attendez, il faut trouver la limite. Ok, la limite, c'est là. Et après, là, on est chaud. Hop, là, on a froid.
Et là, on a chaud. Donc on peut... Ah non, attendez. Oui, non, si. Ok. J'essaye de cartographier mon endroit. Donc je peux, genre, faire un feu ici. Et me coucher, en fait, dans ce lit-là, par exemple. C'est ça que j'essaye de faire. C'est ce que j'essaye de faire, en fait. Alors, hop. Bon, ça m'énerve. Après, on a notre sac de couchage. Honnêtement, c'est mieux de faire notre sac de couchage. Mais bon, si on peut éviter de l'utiliser, pourquoi pas. Faire un feu. On va faire un feu pour cuire notre... On fait beaucoup de feu, hein, j'ai envie de dire. Mais bon, après, on a une loupe, on a le fire steel et tout ça. On va cuire les lapins. Les lapins et faire un peu d'eau. Comme ça va être tranquille. On va en profiter. Alors... Très bien. Et on va prendre ça. On va en fait passer un peu le temps, puis après on va dormir. C'est ça le truc. C'est ça que je veux faire en fait. Ah, vu qu'ils sont pas gelés, on arrache tout très vite. Voilà, très bien. Ah, ça se passe bien. Donc la prochaine route qu'on prend... Eau potable. La prochaine route qu'on va prendre, c'est pour... Je crois le chemin, comme j'ai dit, hein, le chemin où il y avait l'ours. Je vois que ça qui nous reste. Et je pense que c'est peut-être la sortie, parce que je sais qu'il y a deux entrées de sortie, enfin deux entrées de sortie, quoi. Ici. Donc je pense que c'est possible qu'on trouve la deuxième, en fait, du coup. Parce que j'imagine qu'il y en a une d'un côté de la map et un autre de l'autre côté de la map, et la prison, genre, c'est le milieu. J'ai envie de dire, j'ai envie de le résumer un peu comme ça. Donc ça m'étonnerait pas qu'on trouve ça. Donc on va voir. On va voir. Ça sèche bien ça. Oui ça. 4 minutes. Il y a un truc qui devrait rajouter. Sécher les pots. Est-ce qu'on peut le faire? Je suis pas spécialiste, hein, mais est-ce que genre une chaleur élevée pourrait aider à faire sécher les pots? Je pense pas, hein. Je pense pas, mais ça serait sympa d'avoir une sorte de mécanique pour sécher les pots plus rapidement, non? Je sais pas trop. Ce serait peut-être pas réalistique. Réalistique. Alors on a ça, très bien. Elle commence à être fatiguée, ça baisse. Pas réaliste, pas réalistique. Alors, coudre. Ça, c'est po. Ça, pas besoin de peau. Merde, le feu, il va peut-être s'éteindre. Non, par contre, j'ai merdé mon eau. Ou j'avais mis de l'eau? C'est moi ou ça cuit beaucoup plus vite? Enfin, ça fond beaucoup plus vite. Hein? Je sais pas. Un peu l'impression, en fait. Merde. Ah, je fais de la merde, désolé.
potable. Eau potable. Encore 25 minutes. Très bien. Très bien. Une tempête. Faut s'éloigner du feu pour voir si on reste chaud. On a 31 degrés à l'intérieur. Moins 8. On est à 31 degrés à l'intérieur. Chaud. On va dormir un peu. Je pense qu'on est bon, honnêtement. Je pense qu'on peut dormir longtemps. Je suis pas complètement sûr, en fait. Mais je pense qu'on peut. C'est un peu dangereux. Honnêtement, je préférais utiliser mon sac de couchage. Mais bon. Je suis sûr que ça passe. Sûr que ça passe. Hop là. Ça va, on se réveille. On se réveille congelé, sans vie. Non, je déconne. Alors, eau potable. Très bien, très bien. Hop là. I wonder if I can drop any of this here. Très, très bien. Par contre, on va faire... donc, on va faire chemin inverse. On va pas descendre avec la corde. Parce que avec la viande, en fait, on va être à plus de 45 kilos. Donc, on va faire demi-tour. On va revenir au mobile home. On va poser la peau et tout ça. Et après, on va redescendre et aller vers le chemin où il y avait l'ours. Je pense que ça a l'air pas mal comme plan. Voilà, commence un peu à faire jour, mais il fait pas jour. On est en pleine forme, on va attendre qu'il fasse un peu jour. Dormir, pas assez fatigué. Fais voir la couture, vêtements. Il y a les tissus qu'on n'a pas beaucoup aussi. Ça va être un... Ça risque de poser problème, évidemment. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On part. Enfin, il fait froid. Hein. Il fait très froid, hein, mais bon. Je vais voir si on dort encore une heure. On va pas dormir exactement une heure, parce qu'elle est pas vraiment fatiguée, honnêtement. Il fait un peu plus clair, donc peut-être qu'il fait moins froid. Donc, très bien. Oui, je sais, je sais. Allez, on se casse. Voilà, 45-77, très bien. Par contre, il fait froid. Ça a l'air d'être le chemin, en fait. Je me demande si on peut pas descendre une paroi. Je suis en train de me demander. Au lieu de faire tout le tour. Bon, il y a une tempête. Ah, je crois que, honnêtement, je pense qu'on peut. Je pense qu'on peut descendre une paroi. Ouh, mais je passe par un autre chemin, là. Oh, je vois, ok. Ok, on va descendre par là, peut-être. Du coup.
Du coup, moi, il faut que je remonte sur la droite. Là. Du coup, on peut peut-être passer, ouais, par le chemin, là, escaladé. Faut que je me rappelle par où. Par là, non? Je crois. Faut qu'on retrouve le pont. Je crois que c'est là. Ouais, c'est bon, il est là. Ah, c'est emmerdant là. Coup de la tempête là. Non, bon, ça va. Il a pas, on n'est pas encore en zone de danger. Enfin, on n'a pas encore fait un cycle complet pour être en danger, pour aggro les loups gris, donc ça va. Tiens, je viens de découvrir qu'on peut... Ok, donc là c'est ordre alphabétique, puis après on peut faire l'inverse. Enfin, ordre alphabétique inverse. Okay. Ok, très bien. 42, ça sèche. On va mettre les deux pots. Poum poum. Alors, fourrure lapin et ours. Est-ce qu'on peut mettre des notes? Fourrure lapin et ours. Genre terminé. Ah, ok. J'ai jamais fait. Ah, mais faudrait regarder le jour et tout. Jamais je ferai ça, moi. Jamais je regarderai. Ouais, c'est pas grave. C'est embêtant. Un truc qui serait bien, c'est ça. C'est de faire des tas de pierres. Mais comme on avait vu, c'est 50 tas de pierres, un truc comme ça. Donc c'est honnêtement inutile. Donc ouais, c'est complètement inutile. C'est pour après pouvoir écrire sur la map en fait. Parce que je suis en train de me dire, qu'est-ce qu'on fait? On laisse les pots ici? Ou alors on les prend avec nous? Je sais pas. Les pots de lapin, à la limite, on peut les prendre avec nous. La peau d'ours, c'est 0,50 ou c'est 1 kilo? La peau d'ours, on peut... Enfin, non, honnêtement, ce serait bien de tout prendre. Ouais, les boyaux et tout. Mais bon, les boyaux, on va les laisser sécher, parce que sinon, on va puer la barbaque. Non, bah allez, c'est pas grave. On va tout laisser là, c'est pas grave. Faut que le vent s'arrête. On a assez d'eau pour tenir, c'est bien. Attends, on a combien de... Parce que moi, j'arrête pas de faire ça pour passer le temps. On a que 10 tissus. Pas de tissu. Ça, c'est embêtant, ça. Il faudrait vraiment trouver du tissu. Bon. Il faudrait que le temps s'améliore. En train de me dire
Est-ce qu'on peut... Genre même laisser des massettes. Voilà. Enfin, attendez. Je sais que je suis chiant avec ça. Mais... On va le mettre là. Ça fait kit de survie en fait. Bon, très bien. Bon, on va voir un peu. On a des loups mais ils ont peur pour le moment. Waouh, ok, d'accord. Faudrait faire cuire la viande d'ours, non? Je sais pas s'il faudrait faire cuire la viande d'ours ou on la laisse pourrir. Je crois que si on la laisse pourrir, après on peut la faire chauffer, elle revient positif. Je crois que c'est comme ça que ça marche, je me rappelle plus vraiment. Putain, mais y a rien à casser ici en plus, on a tout cassé déjà. Ah oui, l'oreiller. On peut faire ça, deux tissus. C'est bien, ça souffle encore plus fort, c'est cool. J'attends d'avoir niveau max aussi, j'aimerais bien avoir niveau max en couture. Mais ça a pas l'air de vouloir monter honnêtement, ça a vraiment pas l'air. Putain, on est bloqué à l'intérieur comme des idiots. Désolé, bah là on avait bien commencé en fait notre exploration. Puis la tempête en fait nous bloque complètement. C'est très chiant. Très très chiant. Ouais, tout ça là. Ça prend, on en a beaucoup hein, déjà. Donc bon, même si on perd tout ça, honnêtement, vu qu'il y a plein de loups partout, c'est vraiment pas un problème. Hein, je vais être honnête, hein, c'est vraiment pas un problème. Mais bon, là ça commence à être chiant. Ça s'est calmé. Aïe, 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 aïe. Ça s'est calmé, on va à gauche et on prend l'endroit où il faut escalader. Moins 16, ok, on y va. Parce que j'ai l'impression que les loups en fait ne viennent pas de ce côté. Après là on avait vu que c'était le bord de l'eau quoi, donc enfin le ravin plutôt, pas de l'eau. Donc on peut pas y aller, donc ça sert à rien. Mais c'est vrai qu'on avait regardé en fait ça pendant la nuit. Donc est-ce que on devrait pas quand même vérifier? On verra ça plus tard. C'est par là, hein. Ok, donc si on prend pas... Ah ok, ça marche. Donc faut quand même en prendre un. Parce que
On peut descendre directement. Ouais. Ok, très bien. Et après, on peut remonter. Ok, let's go. On va voir un peu ce qu'il y a en bas. Donc là, en théorie, on arrive sur le chemin de l'ours. Je crois. Honnêtement, je commence un peu à visualiser la zone dans ma tête. Je la trouve sympa. Pas très très difficile. Ah, ok, il faut passer par là. J'ai un peu l'impression qu'on peut descendre le long des pentes. Après, il faut voir s'il n'y a pas quelque chose de caché. Oh mon dieu. Ouais, mais tu te fous de moi, tu me fais perdre du temps en fait. Mais t'es sérieux là? Non mais... Enfin, ok. Après, on pourrait tourner un peu plus sur la gauche, mais j'avais peur que, en fait, ça descende trop et qu'on puisse pas remonter, en fait. Ça serait bien de faire un modèle un jour du personnage. Par contre, là, je crois pas qu'on descende. Hein. Là, je crois qu'on fait un autre chemin. Non, moi je voudrais aller là-bas. Ça, je pense que ça serait la sortie en fait de la zone. Là nous on va dans un autre chemin. Là nous on est en hauteur. Là. Mais bon. C'est quoi que j'entends? Des lapins? Mais bon, il y a peut-être autre chose. Gauche ou droite? Je dirais que ça descend là-bas. On va passer par là. J'ai un peu peur parce que là on est un peu dans les montagnes. J'ai peur qu'on retombe sur un ours. Ouh, lapin. Lapin et cerf, yes! Parfait. Ok, il nous faut un endroit. Lapin, cerf, champignon. Je sais qu'on a froid, mais... Grotte. Oh, grotte là-haut. Yes. Bah on a bien fait. Du coup on va faire masse de bois. On va récupérer tous les lapins. Et les cerfs. Pas vraiment pour la viande. Bon bien sûr c'est toujours bien. Mais surtout pour les peaux. Surtout pour les peaux. Voilà, parfait. Oh. Ah, ben ça c'est bien ça. Parce que pour le moment, on n'avait pas vraiment d'endroit en fait. Nous, d'où on venait, à la base hein, de la map, d'où on venait, nous, on avait, genre ici, on avait que des loups en fait. Près du contremaître, ferme, du cuisine, tout ça. On avait que des loups gris, on n'a pas vu de autre chose. Là, maintenant, on arrive à la grotte de la crique. Là, je crois qu'on est loin des loups. Après, il y a encore des loups là, ici.
genre ici. Par contre, je pense pas qu'il puisse passer en fait la défense qui est là, qui est juste devant en fait le mobilhome. Et là, je pense que c'est safe. Je pense que c'est safe. Ah, donc du coup, on a lapin et cerf. Ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. On a de l'eau, on a de la viande, du coup. J'aurais dû peut-être prendre un autre steak, honnêtement. C'est pas très grave, parce que vu qu'il y a plein de... il y a plein de viande, en fait. De viande sur pâte. Ici, on a chaud. Ici, on a chaud, 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 froid. Ok, donc ça va, on peut faire un camp jusqu'ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est que... Non, déjà, je vais en déposer un. Très bien. On va dormir une heure juste histoire de se chauffer. Ah, et après, ben, go chasse, go chasse. D'abord le cerf, puis après les lapins. Enfin, non, il y en a des pierres juste devant, on peut faire les lapins en premier. Enfin, on peut tout faire en même temps, honnêtement. Ouais, très bien. On est très très bon. On va prendre toutes les baies. Il fait pas très froid. Ce qui est bien dans cette zone, c'est qu'elle est pas trop froide. C'est un peu comme l'autre zone. Bon, l'autre zone était un peu plus hardcore, je pense. Machin des cendres, là. Canyon des cendres, voilà. Le canyon... Il y a même des massettes. Cool. Le canyon des cendres était un peu plus froid quand même. Mais ça allait. Mais ça allait. Je crois que cette zone est quand même assez simple niveau tempête et tout ça. Donc ça, c'est cool. Alors, on va faire le lapin. Bien. On va re-rentrer vite fait. Enfin, quoique, on va laisser le lapin là. On va attendre qu'il revienne. Je vais aller de ce côté un peu juste pour cartographier et prendre du bois. Le cerf, on devrait, avec une flèche dans la tête, hop, on n'en parle plus. Il faudrait du gros bois. Un truc qu'il faudrait faire, ça serait... Parce que là, il fait quoi? Il fait moins 8. 58 minutes. Eh, 58 minutes, on va geler. On va avoir froid. Il faudrait quand même pouvoir récupérer... Ah putain, mais c'est grand! Attends. Ah, par contre, pas de loup. Pas d'ours, sûrement. Mais, ah, il y a des voitures. Mais c'est possible qu'on trouve un élan. Donc ça, faut faire attention. Alors, on va voir la voiture. Donc faut faire attention à ça. On peut tomber sur un élan. Bon, pour le moment, j'ai rien vu sur les arbres. Vous savez, ils se grattent les cornes, là. Sur les troncs d'arbres. J'ai rien vu. Hein. Donc, voilà. Par contre, là, si on est sur la route, je suis en train de me demander... Est-ce qu'on retombe pas dans un endroit dangereux avec les loups? Ouais, là c'est possible. Alors fais voir un peu. Prison arrière. Ok, par là. Mm-hmm. Prison arrière. J'arrive plus trop à me repérer là en fait. C'est quoi qu'on entend de l'eau? Ouais, c'est bien. Attends. Tu me dis qu'on peut retourner à la prison? Oh, ok, ok. Ça, c'est le pont. Ok, donc là, on aurait une partie de la prison. Donc toi, tu me dirais qu'il y aurait un chemin genre qui fait ça, peut-être? Ok. C'est bien parce que du coup on n'aurait pas besoin de refaire le chemin inverse. Par contre on va regarder pour prendre plus de bois. Le soleil commence à faire mauvais. Ouais, nous là-bas il y avait le... Là-bas c'est le barrage. Enfin le barrage. Oui, non, oui, là-bas c'est le barrage. Alors, danger, drowning hazard, ok, ok. Ouh, le pont, ok. On verra ça plus tard.
Donc ça, ce chemin-là, cette route-là, je pense que c'est la route que l'ours prenait, je pense. Il faudrait que je regarde la carte encore. Donc ouais, je pense qu'on a fait le tour. Ça, c'est cool. Ah, je suis content. Ouais, c'est barré, en fait. Enfin, c'est barré, ça. C'est éboulé, quoi. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense qu'on peut passer en dessous. Ouais, on peut passer en dessous. Okay. Ok, on a encore des voitures. Par contre, on a un peu froid. Là, on pourrait remonter. Je sais pas trop... Ou alors, peut-être pas. J'en sais rien. Il y a un mode qui me manque, c'est de pouvoir tourner la tête derrière nous. Mais aussi au passage, hein, pour ceux qui ont suivi, vu que j'avais utilisé des mods et tout ça, j'ai complètement en fait supprimé le jeu. Avant de relancer cette survie, j'ai complètement supprimé le jeu et supprimé le dossier, parce que quand vous supprimez le jeu, il y a le dossier qui reste. Et il y avait les fichiers encore des mods et tout ça. J'ai tout enlevé pour être sûr d'avoir un jeu vanilla et tout ça. Donc c'est une toute nouvelle installation et tout, donc il n'y a pas de problème. Mais ouais, il y a des mods qui manquent un peu quand même. Ok, donc là on est allé à l'éboulement. J'aurais bien voulu dessiner l'éboulement en fait, parce que l'éboulement je crois qu'on peut l'avoir sur la carte. Par contre là on va où? Ah bah là c'est le côté, c'est le moment où j'ai dit on va à gauche ou on va à droite. Je crois, non? Ouais, c'est ça. Ok, donc ça va. J'arrive à bien comprendre la carte, à la visualiser dans ma tête. Ça, ça va, c'est cool. Donc du coup, nous, on va aller à gauche. Et on retombe sur les lapins et les cerfs. On va aller se réchauffer. Il y a le cerf qui est juste là. Qu'est-ce qu'on fait? On tente. Non, on a froid. On va se casser. Par contre, le lapin peut-être. De toute façon, si on tue le cerf maintenant, il va geler et tout ça. Donc bon. Et puis, on va devoir dormir. Et puis, on a froid. Faut rentrer. Donc, ça sert un peu à rien. Autant prendre notre temps quand on aura le temps. Allez, rentre, range, voilà, merci. Voilà. Oh, it's getting dark out here. I'm looking for shelter. Très bien. Très bien. Alors, on va se poser là. J'ai envie de... On peut pas se poser en hauteur, non. On va se poser comme ça. On peut dormir ici. On va faire ça quand même. Enfin, quoi que... Non, c'est très bien comme ça. On va enlever... Donc, fourrure, boyau... Voilà, très bien. Voilà. Ça, désolé, hein, j'essaie de faire les choses bien. On est à combien? On est à peu près à 50 minutes de vidéo. Ouais, on va peut-être s'arrêter là, je pense. On a quoi? On a plus de viande. Mais on est à fond. Fais voir. Est-ce qu'il y a...
Alors, est-ce qu'il y a encore un lapin qui traîne? Je vois rien qui bouge. Ok. On va prendre les champignons. Et on va dormir. Parce que j'ai pas vraiment envie de chasser la nuit. On va même prendre les massettes tant qu'on y est. Le temps de notre chaleur là. J'entends des bruits, j'ai pas l'impression. Je sais pas si c'est des bruits d'environnement. Ou c'est genre un truc lourd qui marche, genre un élan. Ou le cerf. Le cerf, on le voit pas. Le cerf, il va sûrement revenir. Merde. Par contre, si c'est un élan, ça serait vraiment étrange parce qu'on a, on voit pas de tronc d'arbre abîmé. Mais je pense que c'est juste juste l'environnement. Vous entendez? C'est le cerf, ça. Oui, c'est le cerf. On va pas lui faire peur du coup. Merde, on lui a fait peur. Bon, bah désolé. Ah, très bien. Est-ce que je vois des champignons? Les champignons, c'est cool, hein, parce que, vous rappelez, je disais souvent à chaque fois, dans les zones, il y a beaucoup de champignons et de baies, enfin, surtout les champignons, évidemment. Et c'est, en fait, on pourrait très facilement, genre, se maintenir au chaud, manger ça et tout ça. Ça fait beaucoup de calories. J'avoue que sur les nouvelles zones, il n'y en a peut-être pas autant qu'avant. Parce que je sais qu'on a sûrement une centaine de... genre, au lac mystère et tout. Mais là, on n'en trouve quasiment pas. Là, on n'en trouve quasiment pas. Par contre, on n'a pas de gros bois. Ouais, il faudrait aller couper du bois aussi. Honnêtement, faut vraiment aller couper du bois. Garde l'arc au cas où. Faut vraiment couper du bois. C'est là qu'on voit un ours qui arrive sur nous. Ça serait con. Ça serait très con. Hop, hop, hop. Hop. Et la peau. Très, très bien. Milieu de la nuit. Enfin, presque milieu de la nuit. Elle est à moitié fatiguée. Je pense qu'on va dormir. On va s'arrêter là et on va chasser la prochaine fois. Par contre, qu'est-ce qu'on fait? On dort dans ce lit-là ou alors on dort dans le sac de couchage? Je vais être honnête, on va la jouer sécurité. On va se mettre là et on va dormir dans le sac de couchage, ok? Parce que des fois, hein, parce que si jamais il y a une tempête et tout ça, on va être dans la merde. Donc voilà. Honnêtement, j'en mange une, mais ça sert un peu à rien parce que de toute façon, on a de la viande et tout qu'on va faire cuire. Donc, le prochain, bon, on va s'arrêter là. Donc, honnêtement, top. Donc, ce qu'on va faire, donc là, on a. Oh, faut que je prenne cela aussi. Quand on sort, faut aller à gauche. Enfin, quoique, non, peut-être la sortie, elle est là en fait, la sortie de la grotte. Ouais, il y en a peut-être encore qui traînent. Donc, résumé. On a fait tout le tour, on a vu qu'on pouvait monter tout ça, passer par là,
et après retomber en fait sur la corde. Donc là en gros c'est pour aller ici on peut faire comme ça ou alors on peut faire comme ça, donc c'est lié, ça c'est cool. On a une grotte là. On a découvert donc un lieu avec lapin et cerf, donc ça c'est cool, ça on en a vraiment besoin. Donc on va chasser tout ça ici. Et après je pense que là on va le laisser, je pense. Et on va passer par là, donc du coup ça nous fera ça de découverte. Parce que là on aura donc un cerf plus deux lapins, bon les lapins on s'en fout, on va pas parler de lapins en tant que viande parce que il y a quasiment rien. Mais ça nous fera un cerf en entier, donc ça fait au moins 10 kilos de viande. Donc honnêtement en viande on est cool, on est bon, il n'y a pas de problème. Donc ouais, et il faut qu'on récupère un peu de bois. Donc prochaine fois c'est bois, cerf et fer à manger. Ça va peut-être nous prendre une petite trentaine de minutes. Puis après, on partira sur la suite. À moins qu'on change nos plans. Mais voilà, ça sera cool. Honnêtement, on avance bien. Pour de l'intrus, on avance proprement, j'ai envie de dire. On avance très proprement pour de l'intrus. Donc je suis assez content. Pour moi, ça me suffit bien. Ça me satisfait, voilà, j'ai envie de dire. Ça me satisfait. Donc, ouais. À la prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé. On va dormir 10 heures. Et ouais, la prochaine fois, c'est la chasse. Ciao, ciao.